Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 25 avril 2024, 9h7 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens aussi et des messages toujours pertinents et très, très chaleureux et intelligents. Merci infiniment. On sait que 2024, c'est une année qui n'est pas comme les autres. On le vit, on le sent. Il y a des choses gigantesques qui dépassent qu'on peut, peut probablement comprendre ce qui dépasse la compréhension humaine qui sont en train de se passer. Je vous en ai parlé hier avec un entretien incroyable de Tucker Carlson avec Joe Rogan, où il est question de... où on parle de tous les sujets. C'est pour ça que ces deux... Joe Rogan et Tucker Carlson sont les deux personnes qui ont des euh, réseaux d'informations, des podcasts, des deux personnes les plus écoutées, les plus populaires au monde. On sait que Joe Rogan a signé une nouvelle entente, je pense, avec Spotify, au-delà de 100 millions de dollars. Les réseaux d'information, comparativement à ça, c'est vraiment banal. D'ailleurs, ils sont tous en train de mourir parce que c'est juste les saints méchants, les vieux qui regardent ça. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour toi. Ils ne sont pas là pour t'informer. Ils sont là pour te garder dans un, un état d'ignorance totale de ce qui se passe vraiment parce que les grands acteurs qui sont en train de transformer notre monde, ben c'est eux qui nous gouvernent, puis c'est eux qui contrôlent les, les réseaux d'information, puis on ne veut pas que tu saches ce qui se passe. Puis on tient dans un état de guerre civile totale. Regarde ce qui se passe en ce moment, c'est complètement faux. Hollywood est en train de te mettre dans la tête qu'il y a une guerre civile, hein, avec un nouveau film qui vient d'être euh, lancé, « Civil War ». Plein d'autres choses qui sont en train de se passer, les conflits partout, la démonisation de certains politiciens par le système de justice, c'est complètement fou. Ce qui se passe aux États-Unis, que tu sois pro-Trump ou anti-Trump, ce n'est pas vraiment important, c'est de voir comment on attaque cet homme-là qui, qui a fait de la politique pendant quatre ans. Là, il a été président pendant quatre ans, puis pendant les quatre ans où il a été président, ça allait relativement bien. Et on l'attaque comme c'est pas possible. Alors que tu as des politiciens qui sont là depuis 40-50 ans, tu penses à des Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Joe Biden, les Bush, qui sont responsables de millions de morts en ayant déclenché des conflits au Moyen-Orient, en ayant déstabilisé l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud pendant des décennies, responsables d'avoir financé des groupes. Qui ont commis des massacres, eux-mêmes ayant commis des atrocités pendant la guerre du Golfe, la première et la deuxième, avec l'invasion de l'Afghanistan, avec l'occupation de la Syrie, la corruption de ces gens-là, toutes les allégations aussi avec l'histoire de Jeffrey Epstein et son île, maintenant Sean Didi, où toutes les corrompus, les Pervers sont impliqués dans des réseaux d'exploitation de jeunes filles, peut-être même de jeunes garçons. C'est plus de la conspiration, cela. Toutes les entités, les forces surnaturelles aussi, c'est ce dont Tucker Carlson parlait avec Joe Rogan, qui sont en action. On est comme dans une espèce de bataille finale pour. Le contrôle de je ne sais pas quoi, l'humanité, l'âme de l'humain, c'est fascinant ce qui se passe. Et on le sait, dans les écritures anciennes, comme le disait Tucker Carlson dans son entretien avec Joe Rogan, ça fait longtemps que c'est là. Puis, que tu sois croyant ou non, tu es conscient qu'il y a une guerre entre le mal et le bien, même nous, à notre niveau, on la vit toujours constamment personnellement. Tu es toujours en, en conflit. Tu es toujours à te demander, puis ça, c'est la nature humaine qui fait qu'on est différent, c'est cette conscience qu'on a, qui fait qu'à chaque geste, posi, question, euh, chaque, chaque geste et chaque décision que tu prends, tu te questionnes toujours. Tu es toujours tourmenté. On est tourmenté. Donc, imagine quand tu es à un niveau de pouvoir, puis d'égocentrisme, de, 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 de narcissisme que les dirigeants ont quand ils sont rendus à ce niveau-là et qui voient la puissance qu'ils ont alliée avec des êtres surnaturels, spirituels, ça peut, puis qu'ils sont en contact avec eux, ça peut donner des résultats très, très épeurants, très épeurants. Je vais essayer de trouver l'entrevue et on, dans cette entrevue là tu as Tucker Carlson qui dit aussi euh, que les membres euh, du Congrès les membres du Sénat sont des otages des services de renseignement de la CIA du FBI qui sont en fait le vrai deep state c'est eux qui contrôlent tout et ils contrôlent ben, ils sont des représentants, disons, de la force policière, militaire qui, qui gère ces gens-là au nom de ces entités démoniaques hein, de, du complexe militaire industriel, du complexe industriel, pharmaceutique, financier et banquier qui, sont, qui utilisent ces forces par exemple, d'un service de renseignement dans nos pays respectifs, que ce soit le FBI aux États-Unis ou la CIA, mais on le sait que les États-Unis sont le pays le plus puissant. On a vu l'aide qu'on envoyait encore à l'Ukraine, mais qui est un peu euh, reliée à l'obligation maintenant que les Européens vont avoir d'envoyer des soldats en Ukraine. C'est un peu attaché à ça, une exigence. Et là, déjà, t'as les pays européens. Ça a commencé avec Emmanuel Macron qui a dit qu'il faut pas exclure les bottes françaises en Ukraine, l'Allemagne, la Pologne, maintenant. Tout est en train de se mettre en marche pour un conflit ultime avec une alliance qui semble se former de plus en plus solidement, ce qu'on appelle BRICS, mais c'est plus complexe que ça. Là. Mais on parle de surtout... La Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, pour contrecarrer, ça c'est l'autre force. Peut-être que ça serait la force du bien. Peut-être que on a été programmé à penser que nous autres on était la force du bien. Mais quand tu regardes ce qu'on a accompli, posons-nous la question. Sommes-nous vraiment pas nous autres là Parce que chaque citoyen, moi j'ai voyagé beaucoup. Le monde ordinaire est gentil. Le monde ordinaire est accueillant. C'est juste une frange de cinglés là, qui, qui sont manipulés, mais l'ensemble de la population euh, de notre communauté humaine est formidablement gentille, accueillante, généreuse. Mais ces entités-là, surtout avec les réseaux sociaux et cet univers qu'on a créé, te donnent l'impression qu'on est tous en conflit, que, mais il y a des consensus qui sont très, très répandus et très larges, même au sein de l'Occident. La population de l'Occident, Mais on t'en parle pas de ça. On, on donne l'impression qu'on est tout divisé, mais c'est pas vrai. Sur des questions fondamentales, on est il y a un consensus incroyable. Mais on a, on peut, on t'empêche de l'exprimer, puis t'as pas de représentants qui vont te défendre et défendre ce consensus-là. On est devenu une espèce de si tu prends la planète séparée en deux, on est la moitié de la planète, nous autres, dans la dépravation, mais on te l'a appliqué de façon lente, un peu comme la théorie de la grenouille dans la casserole. Quand tu regardes tes villes, quand tu regardes ton enf tes enfants, quand tu regardes tes nouvelles générations, c'est complètement démoniaque ce qu'on leur a fait subir, en leur mettant dans la tête que ça, c'était bien, que c'était la normalité d'être. Plein de tatouages, plein de pursing, d'être dans la sexualisation de l'enfance, après ça, le, la mutilation génitale de l'enfance, si ça, si ça tente. T'sais. On va se mettre à écouter les enfants maintenant. On va donner la direction de la planète à des adolescents, Greta Thunberg, sur des idéologies climatiques qui sont nullement reliées à la science dans un but ultime, puis on va utiliser toujours les enfants parce que c'est c'est naturellement émotif, c'est émouvant quand tu vois des enfants puis tu penses à leur avenir puis c'est sûr qu'on vient, c'est tout ça c'est des jouer avec les cordes sensibles et tu regardes l'état de tes rues, l'état de tes grandes villes, la quantité, en tout puis moi ce c'est pas un bilan qui est très reluisant là, celui de nos dirigeants puis 60 ans. Même ça pourrait si on était dans un état normal les disqualifier totalement, tous ces gens-là, associés à la gauche, associés à la justice sociale, associés à toute la bullshit qu'on essaye de nous faire avaler comme étant l'équité, la justice sociale, puis toutes les folies provenant de cette élite qui veut te donner l'impression qu'elle t'a promis et qu'elle va te promettre le paradis. Il n'y a rien de facile dans la vie, puis ça, c'est une formule qui ne change pas. Si tu veux quelque chose, il faut que tu travailles fort pour l'acquérir. Tu ne peux pas te fier à des entités, à un gouvernement pour te nourrir, payer tes couches, payer ton épicerie. Voyons donc. Ça t'amène dans un monde complètement orwellien et qui t'amène dans l'enfer total parce que ces gens-là auront comme un seul but unique de t'affaiblir en tant qu'être humain, de te rendre dépendant complètement de ces gens qui te donnent des miettes. Qui te donnent des miettes et qui t'ont complètement comment dire, détruit en tant qu'entité puis être humain dans ta totalité, dans ta spiritualité, dans ta divinité. C'est ça qui est hallucinant. Regarde l'état de notre monde, la, mo la moitié de ce que, tu sais, on le, le, le monde occidental, appelons-le comme ça. OK, c'est beau, on a la technologie, mais on a le confort qu'on est en train de tout enlever, là, parce que l'aristocratie n'aime pas ça, que tu sois vraiment dans le confort et euh, dans le bien-être matériel. Numéro un dans les suicides, numéro un. Dans les dépressions, numéro un dans les divorces, numéro un dans les avortements, numéro un dans consommation de drogue, d'alcool. Je ne sais pas, mais il n'y a rien de reluisant là-dedans. Là. As-tu vu l'état de tes rues? As-tu vu la quantité de gens déréglés mentalement? La quantité de gens seuls? La quantité de gens dépravé parce qu'on t'a dépravé moi je vois des j'ai rencontré des femmes je vais te dire une chose dans la cinquantaine même dans les films porno, tu trouves pas la folie que ces femmes là sont prêtes à faire pour avoir un homme c'est de la dégradation totale l'espèce d'idée de, de, de délaisser la femme dénaturer la femme aussi dans cet agenda. Moi, je n'ai rien contre le fait que tu veuilles faire ce que tu veux privément, mais tu ne peux pas venir prétendre que soudainement, tu es un homme, si tu as envie d'être une femme, c'est comme ça, dans ta tête, que tu vas devenir une femme. Voyons, c'est complètement hallucinant. Donc, on en est rendu là, c'était une bataille épique qui est en train de se produire. Puis, dans l'autre côté, dans l'autre moitié, celle qu'on démonise, en prétendant être du côté du bien, moi je ne sais pas là où tu vois le bien là-dedans. Tu voulais amener le bien en, en Irak. Un million de morts irakiens, une région complètement, complètement pff, déréglée à feu et à sang maintenant. Tu as mis des groupes sataniques qui sont là à se combattre continuellement. Tu as voulu aller libérer les femmes d'Afghanistan. Ça, c'était ton prétexte. Puis amener la démocratie, c'est quoi pour eux autres la démocratie? C'est quoi la déchéance de nos sociétés qu'on veut amener dans ces sociétés-là qui sont encore structurées, solides, avec des modèles binaires, biologiques, avec la femme qui a son rôle, l'homme qui a son rôle, les enfants qui ont leur responsabilité? écouter les parents, des sociétés solides. Taux de suicide pas vraiment élevé. Taux de consommation de drogue, il n'y en a presque pas. S'il y en a. Taux d'alcoolisme, il n'y en a pas. Sexualisation des enfants, il n'y en a pas. Des itinérants, il n'y en a pas. S'il y en a des cinglés, on s'en occupe, on les met dans des, des institutions. Si tu veux quelque chose à manger, il faut que tu ailles travailler. Tout ça, c'est solide, là. Et c'est ça qu'on va aller combattre, qu'on démonise dans le fond. Si on regarde le conflit avec la Russie, moi je n'avais jamais vu d'image de la Russie vraiment. Moi j'ai toujours été programmé, puis je me suis déprogrammé grâce ben, à la recherche, grâce à des gens comme Tucker Carlson qui est allé hein, faire une entrevue avec Vladimir Poutine, puis qui a visité, il en a profité pour visiter la Russie, Moscou. Puis on a vu l'état des rues, l'état de des métros de Moscou. C'est formidable, c'est propre. Les gens sont à leur affaire, les gens sont respectueux. Puis il y a de la richesse, puis, il a, puis ils ne sont pas dans la merde. Puis les sanctions, ça n'a pas marché. Puis tout ce qu'on t'a raconté, c'est de la bullshit. Puis l'Ukraine ne peut pas gagner contre la Russie, même si tes médias t'ont dit qu'ils étaient toujours en train de gagner. Puis on était à un milliard de dollars près de gagner. Ils sont rendus à 500-600 000 morts. Puis ça ne nous dérange pas, du autres, nos dirigeants, ça ne les dérange pas parce qu'ils ont une idée derrière la tête. D'abord, c'est de nourrir le complexe militaro-industriel constamment. Parce que c'est ça qu'on fait en l'enrichissant toujours. Parce que les 60 milliards qu'on donne, par exemple, là, supposément à l'Ukraine, ça revient dans les poches des, du complexe militaro-industriel américain, là, la plupart de cet argent-là. Ça ne va pas dans les poches des Ukrainiens. Les Ukrainiens sont dans la misère totale en ce moment, en plus de vie. Pis on les envoie comme de la chair à canon pour nourrir le complexe militaire-industriel, puis mettre dans la tête des gens qu'on est en train de sauver la démocratie, alors que Zelensky a annulé les élections, il envoie tout le monde en prison, puis il se met au, à la solde de l'Occident, puis de l'OTAN, pour faire quoi Nous amener dans un conflit global avec la Russie, parce qu'on vient de découvrir, probablement que l'élite le sait, que nous autres, là, maintenant, on vient de découvrir que c'est du coin, wow. C'est pas si démoniaque que ça, là-bas. Là C'est pas si tyrannique que ça, leur système. Puis que le monde est encore à son affaire, puis ils ne veulent pas de notre agenda. Parce que ça, ils ne pas que tu oublies qu'ils ont aussi euh, accès à toutes les, les images que tu as de ton pays. Là. Tu sais, quand tu vois les images de la misère dans les rues de Los Angeles, la misère dans les rues de Paris, la misère dans les rues de Montréal, la misère dans les rues de Vancouver, puis les grandes villes, où tu vois toute cette pauvre humanité qui a été complètement corrompue parce qu'on l'a inondée de mauvaises drogues, mauvais alcool, mauvais médicaments. Puis que là, les seules idées géniales que notre classe dirigeante, qui est complètement disqualifiée, a trouvé pour gérer ça, c'est de créer des organismes humanitaires avec des dirigeants qui ont les cheveux teints bleus ou les cheveux teints roses puis leur donner le contrôle, puis d'essayer d'aller régler la crise majeure qu'on a créée. Et ces gens-là ont eu comme seule solution d'ouvrir des centres de distribution de drogue, puis de seringues. Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. C'est vraiment hallucinant tout ça. Puis qu'on soit encore en train de se faire avoir, mais de moins en moins. people about it um, that actually this is really a very heavy duty question actually it's not just it's not the little green men question it's like a much bigger question and it's really bad it's really dark and and then I stopped then I was like I don't want to know anymore because it's not rogan phénomène qu'on est en train de plus en plus d'observer d'ovni, de, de de ces objets volants non identifiés qu'appellent maintenant les phénomènes aériens ou atmosphériques non identifiés, que les soldats voient, que tout le monde voit. Puis lui, il s'est intéressé à ça même dans les derniers moments où il était à Fox News. Et c'est réel, mais c'est pas ce qu'on pense selon Tucker Carlson, et c'est là où c'est vraiment fascinant. Ben, « Above the natural, above the observable. So, no, it's not American technology. Well, » Or Russian or Chinese. technology, it's not American technology, It ça. predates, you know, all of that. Well, some of it does, right? Like for sure, the Kenneth Arnold sightings—that was really early on. That was like the 19 early 1950s. He was seeing these flying saucers. He says it's been from the 1950s that we see these disks that were moving over mountains. Ou les disques. Well, right. I mean, the prophet Ezekiel writes about it right. in the first chapter. Dit, et là il dit le prophète Ézéchiel en parle dans son premier chapitre de son livre de ses roues volantes. Yeah, yeah, that's so, a crazy one, if you read it. It's like, oh wow, yeah. you know, And, a so, with and a not just you know, the Hebrew scriptures, like it's all over. Every... Depuis des milliers d'années, dans les écrits hébrais, hébraïques, dans d'autres écrits, il y a toujours des références à des êtres surnaturels, des anges qui descendent du ciel, des anunnaki. Après ça, des, des engins qui sont dans le ciel. C'est pas nouveau là. Of course. So these are spiritual phenomena. There's no evidence they're from another -hmm. planet. Il y a pas d'évidence que ça vient d'une autre planète, nous dit Tucker Carlson. C'est des phénomènes spirituels. Je dit, je pense que ça c'est le mensonge que ça vienne d'ailleurs. Or from Look, qui viennent de Mars ou... L'espace really well est vraiment surveillé comme jamais pour des raisons de sécurité, aussi pour des raisons de sécurité euh, militaire, mais aussi pour s'assurer que s'il y avait un astéroïde ou de surveiller le comportement puis le, la direction de tous les astéroïdes qui sont euh, au-dessus de notre tête, nous dit Tucker Carlson. Il y a des satellites partout, il y a des radars, c'est... Surveillance 24 heures sur 24 de ce qu'il y au-dessus de nos têtes. Donc, il dit, si jamais il y avait des engins qui venaient de là, tu le saurais. Right, both for military, for defense reasons, but also because, like, it would be nice to know when asteroids are coming. And there's no evidence, has never been any evidence that there are lots. Il n'y a jamais eu d'évidence que ça vienne de loin. So these objects, these vehicles coming into our atmosphere from somewhere else, some other planet, there's no evidence of that at all. Il n'y a pas d'évidence du tout de ça, que ça vienne d'une autre planète. Hmm. So from here, and... Ils sont d'ici. Tucker Carlson lui dit que c'est d'ici parce qu'ils sont existants. Been here for of years, they are. Peu importe qui ils sont, ils sont ici depuis des milliers d'années. Um, c'est très clair pour moi que ce sont des entités spirituelles. Pour ce que ça veut dire au surnaturel. And which is to say, means above the ce qui veut dire au surnaturel, c'est au-dessus de, du naturel, above the observable, uh, nature. de ce qu'on peut observer, nature. And la, um, de la nature. They don't behave according to the laws of science. Ils ne se comportent pas seul, selon les lois de la science non plus, As measured by people, you know. ce qui est mesuré par les humains. And, um, et ils sont ici depuis longtemps. Et il y a plein de preuves qui sont soit en dessous des océans ou en dessous de la Terre. Mais avec ces faits-là que je viens de te présenter, tu arrives à quelle conclusion? Depuis quand vous avez cette opinion ou tu as commencé à avoir cette opinion que ce sont des... That and that they've always been here? But when, when did they... Well, I didn't know anything about the topic until 2017. I did 2017. À peu and like... Was that after the New York Times piece? No, it? Was that after the New York Times disons? before. Avant. It was before, and the things that I saw. I mean, I was and am still a very conventional person. I mean, I'm 54. I grew up in this country in California, which was like. Moi, j'ai toujours été tout ce qu'on m'a raconté, J'ai toujours cru en tout ce qu'on me racontait, toutes les ce qu'on peut dire de l'Amérique. Et I thought that everyone who questioned those assumptions was bad. Et toutes ces assumptions, ces croyances, je les j'y croyais et je pensais que tous ceux qui questionnaient ces assumptions là étaient des mauvaises personnes. I just bought into the system completely without even. Dans le thinking about it, and I imagined that I was like some kind of free thinker, and you know, I'm going là, pensé que moi, un against the grain. But like the co my core assumptions were, the you know the assumptions fed to me by the culture and the government. And. Ben, pis les assumptions qu'on a, elles nous ont, elles nous sont par le gouvernement, par le I didn't even realize it, but anyway, I'd never really thought about UFOs at all, and. J'ai jamais pensé où... Réfléchis à la question des ovnis du tout. Donc, je suis dans le journalisme depuis que je suis un enfant. Donc, j'ai rencontré des gens qui avaient des idées vraiment folles. A lot of topics. Sur UFOs, 9-11s, le, le, le 11 septembre, les ovnis, you know, like... la circoncision. Like every whack job in the world, you run... Tu peux rencontrer toutes les. Capoter, les conspirationnistes, quand es dans le domaine dans lequel je suis. Into when you're covering stuff. Fluoride. Fluoride. Le fluoride. Right. Et I just oui. brushed with non-fluoride toothpaste this morning. He dit, je me suis d'ailleurs brossé les dents ce matin avec du dentifrice sans fluoride. Did. Uh, Joe Rogan, il dit, moi aussi. Exactly. Exactly. But probably unlike you, I didn't have any opinions like that. I was like. Ben, contrairement à toi, moi, j'avais aucune opinion sur ces sujets-là. Fluoride, come on. Fude, fluoride, come on. You know, 9-11, shut up! Le 9, 11 septembre, fermez-vous la gueule, les conspirationnistes! Yeah. UFOs, you're fucking crazy, you know? Les ovnis, vous êtes complètement fou! what right. I mean? I just, like, I had this reflex... Donc, j'avais ce réflexe. I'm not bragging about it, but it was 2017 and... But in 2017... Really, it was the Trump campaign. It wasn't that I was like so in love with Trump. C'était la campagne de Donald Trump. Mais c'est pas tellement que j'étais en amour avec Donald Trump. Though I've always liked Trump. Cause... Mais j'ai toujours aimé Trump. He was hilarious and charming and all. Parce qu'il est trop drôle. Puis il est charmant. But I wasn't like a Trumper or anything. J'étais pas un Trumper. Um, but it was watching that campaign. Mais c'était de voir cette campagne... And particularly his claim that they were spying on him. Et surtout l'idée que il nous disait que on espionnait, on l'espionnait, qu'on l'enregistrait. I was like, really? Not the, the intel services and federal law enforcement, FBI, do not spy on presidential campaigns. Like... but voyons donc, il dit les services de renseignement de FBI et la CIA, ils, ils espionnent pas les candidats présidentiels. Je me, que je me That's so out of the realm. That's so crazy. C'est tellement faux, c'est en dehors de toute imagination. Like that could never happen because, of course, There's no democracy in a system like that. Parce que si tu fais ça, il n'y a pas de démocratie. And fundamentally, we're a democracy, an imperfect. Et fondamentalement, on est une démocratie. Kind of lumbers along, you know, but like it's not fake. And and then that turned out to be true. Mais finalement, ça s'est avéré vrai. And I knew it was true. And that just blew my mind. So. he says i'm m'a complètement renversé. Began a process still ongoing of reassessing a lot of other things. Like... Et là, c'est à commencer en moi ce processus de tout remettre en question, et je continue. Like, okay, well, if that was not true, what else is not true? Donc si c'était pas vrai qu'on espionnait pas dans notre Trump, quoi d'autre est un mensonge? What else that they told me was a conspiracy theory might actually have some basis? Et quoi d'autre qui ce qu'on me disait est une conspiration, une théorie de la conspiration? So in fact, and um, and then someone from you know a DoD employee reached out to me and. said, un employé du département m'a contacté. Actually, there's a ton of evidence that this. A dit, de ces -là. UFO thing is real, Et que les OVNIs sont vrais. and really, and so I started doing segments on it um, when I worked at the TV channel. Et quand j'étais encore chez Fox. Uh, J'ai like was... Mais c'est sûr qu'on se moquait de moi. Like, Mais then, of course, course, the second you start. Mais après ça, tu as vu toutes les sonneurs d'alarme qui sont allés devant le Congrès, le Pentagone qui était obligé de créer un programme de, ce... de... de s'intéresser ou de... de divulguer certaines informations qu'ils avaient. On a vu tout le mouvement après là. As you know better than anybody, you start talking about something then people reach out to you and someone But some of them aren't at all. Oh. So I just started getting a lot of information from people and meeting with people, mostly in de de you know, come to my house, let's talk. And, viens dans, là, moi, viens, on va and I decided on the basis of what they told me, and then I talked to a lot of people about it, um, that, that actually people. this is really a very heavy duty Et là, j'ai décidé, j'ai réalisé que c'est quelque chose qui est vraiment heavy duty. C'est comme vraiment du matériel très lourd. C'est like much... pas une question de petit homme vert. C'est des plus grosses And really really C'est vraiment mauvais et c'est vraiment sombre. And, and then I then I was like, et là, j'ai arrêté. Je veux rien savoir de ça parce que ça m'aide pas. A a Qu long... Quelle what information did you get that made you feel like it's dark? Quelle information t'as eue qui t'a fait réaliser que c'est vraiment sombre? What's so dark? Well, first of all, the deception is always bad. Like, lying is bad. Donc, le mensonge, c'est mauvais. La déception, c'est mauvais. And it's bad not just in a legal sense, in that it can be illegal to lie, but it's bad... Mais ça peut être illégal de mentir. It's, like, bad for you. Like, c'est mauvais pour you. toi. Like, being courrit. a liar makes you a bad person. When you lie, you are serving evil. There's a more, Quand tu mens, tu le diable. more quality to it that's inescapable. Y a pas de qualité à ça. And very obvious. And only like advanced, advanced civilizations ignore that. Lying is bad. And so if you have lying at scale, a si échelle... si Which we have on this topic. It's, it's inherently bad. bad. Okay, so that's the first level. Plus mauvais que tu puisses te OK, so if they're spiritual beings, which I believe they are. Moi, je pense que c'est des êtres spirituels. Like, uh, uh, it's a binary. They're either, you know, you're on team. C'est binaire. C'est soit ils sont de ton côté ou ils sont contre toi. Ils sont bons ou ils sont mauvais, ces êtres spirituels. Team good or team bad. You can assign any name to it you want. But... Tu peux maintenant, tu peux étiqueter euh, ces gens, c est, c est, c est, c est, ces êtres-là comme tu le veux. Like, what are these things? Quels sont, que, que sont ces euh, êtres-là? Um, Sont-ils mauvais ou bons? Et je pense qu'il y en a qui sont vraiment mauvais. And if the US government knows that, or... Et si le gouvernement américain sait ça, Our mais des éléments de, du gouvernement américain, là, on parle de ce, ce deep state-là, les autres sont au courant, ils sont en contact avec ces êtres spirituels mauvais. Know that, then. You know, then they're serving a bad force. Donc ils sont au service d'une force négative, vraiment de mauvaise, mauvaise. Well, when you Think say spiritual, about that from... like what what makes you draw that conclusion that they're spiritual? What's the obvious? I mean, spiritual. Mais qu'est-ce qui te fait conclure que ce sont des êtres spirituels? Maybe the wrong word. Supernatural. Ben peut-être c'est un mauvais terme que je mais surnaturel. You no, know, they're beyond nature as we understand. Ils sont au-delà de la nature qu'on comprend. It. I mean, obviously they are. I mean, just. Ben, de... C'est évident qu'ils le sont. Donc, leur comportement physique est incompréhensible. C'est au-delà de ce qu'on comprend de la physique. Il n'y a pas de propulsion, il n'y a pas de fusée, il n'y a pas de tous ces engins que ces témoins-là voient. A... C'est au-delà de ce qu'on connaît de d'engins qui ont des, des fusées, des, pro, des systèmes de propulsion, euh, de la vapeur, de la fumée, you know, at speed, et qui arrivent à des vitesses qui dépassent le mur du son. Ocean, continuing at speed. Et ils rentrent dans l'océan, puis ils continuent à des vitesses, Tucker nous dit, de 500 nœuds. C'est impossible. En d'autres I si je prends un 9 mm router, 762x39 et shoot je vous à 50 yards sous l'eau, donc c'est comme si je prends un pistolet puissant puis je te je tire sur toi que tu es dans l'eau. Swimming pool Mais l'océan c'est encore plus dense que ça. You could catch the bullet if it... Tu pourrais même arrêter la balle probablement à cause de l'eau qui va ralentir la, 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 la vitesse de la balle. Even makes it to you, right? so if... puis ça se rendra peut-être même pas à if toi. You have a craft any object under... Et si tu as un objet, un vaisseau qui voyage à 500 nœuds, parce que c'est mesuré par les sonars, donc là tu, tu es en train de mettre la physique complètement euh, euh, hors euh, compréhension. Qu'est-ce que c'est? Comment ça peut être? Donc c'est vraiment fascinant. Tu le vois, on est dans un monde, c'est pas mal plus que ce qu'on peut en prendre. Mais là, tu pas deux cinglés qui parlent. Tucker Carlson, quelqu'un de super équilibré, là, qui est dans le journalisme et qui est la plus grosse vedette de Fox News pendant des années avant d'être congédié pour différentes raisons, surtout celle d'avoir dit que c'est la CIA qui avait assassiné JFK. Et ils en parlent là-dedans aussi. C'est un entretien de trois heures, c'est fascinant. Je te suggère de l'écouter. Ça va t'éveiller à tout ce qui se passe en ce moment. Puis Joe Rogan, c'est le gars le plus écouté au monde. Là. Tu, que, toujours fascinant, puis toujours prêt à aller dans toutes les directions puis à toucher tous les sujets. C'est toujours des conversations. Ça, c'est du vrai. Si tu veux, ça, c'est des vrais entretiens. Ça, c'est la réalité. C'est des entretiens pendant deux heures, trois heures. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de questions préfabriquées. Il n'y a pas de narratif. Il n'y a pas. On ne veut pas t'envoyer dans une direction, on ne veut pas te convaincre de quelque chose, on fait juste discuter. Puis c'est ça qui est fascinant. C'est pour ça que Joe Rogan est si populaire. Et des podcasts comme ça sont si populaires, parce que c'est des entretiens, puis il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ce n'est pas contrôlé par ceux qui te contrôlent. C'est fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est complètement hallucinant. J'ai plein d'autres choses à vous partager, mais il y a tellement. tellement c'est comme. C est, c est, pour pouvoir parler de tout ce que je voudrais vous parler et vous partager, j'aurais besoin de 24 heures sur 24 non-stop à faire ça, ce qui est impossible. Mais là, j'essaie de trouver le plus gros, ce qui nous prouve qu'on est dans une année 2024 où maintenant les forces du mal sont là et se manifestent. Et comment ça va se terminer? Ben, espérons-le. Du bon côté, mais c'est quoi le bon côté? C'est toi qui dois juger. Est-ce que c'est nous, l'Occident, les bons, avec notre bilan, ce qu'on représente, ou c'est ailleurs ce qu'on démonise ce qui a l'air vraiment pas démoniaque, je ne sais plus. C'est vraiment extraordinaire. C'est les moments les plus tragiques, les plus fantastiques en même temps, Ça, sans compter toute l'agenda qui s'en vient, la biométrie, l'intelligence artificielle, puis ils en parlent en plus de ça, puis je vais te revenir là-dessus parce que c'est trop gros. On peut passer probablement des journées et des journées à décortiquer cet entretien-là vraiment c'est ça du du vrai je 'en viens